Salut, salut tout le monde, bienvenue. Tout d'abord, toutes mes excuses pour la news 2018. Il y a un décalage entre le son et l'image. Je n'y suis absolument pour rien et je n'arrive pas à rattraper le fait. C'est YouTube qui, pour une fois, s'est planté dans l'encodage. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé même de la reposter, pas de moyen. Donc là, ce n'est pas le propos. On se retrouve pour la présentation du groupe APAX, qui est né en décembre 2014. C'est un groupe d'Italie, de Naples plus exactement, constitué de Michel Mosillo au niveau de la voix, des écrits, de la basse et du synthé, et de Diego Cardone au niveau de la guitare, du synthé, de la programmation et des artworks. C'est un groupe qui se dit post-punk et cold wave. Mais il est beaucoup plus complexe que ça dans sa musique, puisque il y a des sonorités new wave post-punk, évidemment, mais aussi des arrangements liés à l'expérimentation et l'industriel. Donc voilà, très très complexe, mais très très beau titre. Actuellement, leur maison de production, c'est la Dark Knight Suisse, pour deux albums. Le premier album, c'est Stream of Consciousness, sorti en décembre 2014. C'est un concept album de 11 titres, inspiré par une méthode d'écriture vécue par certains auteurs au début 1900, je pense, ou 900. C'est un courant de conscience. En fait, qu'est-ce que le courant de conscience? Ça consiste en la représentation libre des pensées d'une personne avant d'être réorganisée logiquement dans des phrases. Donc voilà, c'est vraiment une sorte d'introspection de l'âme humaine épuisante et dramatique. Donc c'est tout un programme pour ce premier album et qui est vraiment une belle perle. Ensuite, s'en est suivie une tournée européenne. Évidemment, le groupe n'étant pas très loin de leur maison d'enregistrement, s'en est suivi un deuxième album intitulé Cave en novembre 2016, qui est un peu une porte sur l'histoire de la région de Naples, donc un peu plus personnel au groupe, une recherche de la relation avec cette terre d'histoire, l'inspiration et le magma. Tel qu'ils le décrivent eux-mêmes. S'en est suivi une tournée en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Mexique. Actuellement, leur maison de disques est toujours Swiss Dark Knight. Et moi, je vais vous laisser avec leur présentation au niveau du B52. Donc voilà, allez, à plus. Thank you.
Yeah.